Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment je fais ma recette de poulet rôti. Mais avant de commencer cette recette, je vous souhaite une très belle année 2021. Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé, réussite. Je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne. Nous allons commencer cette recette par couper les pommes de terre déjà épluchées et lavées en gros morceaux de taille à peu près égale. Ensuite, on ajoute de l'eau, du sel et un peu de beurre. On va les faire précuire dans une casserole pendant à peu près 10 minutes. Nous allons les égoutter à l'aide d'une passoire. Et ensuite, on les met de côté et on passe à la préparation de la marinade de notre poulet. Nous allons mettre dans un saladier du poivre, du paprika, du sel, du thym, un peu d'herbe de province, du curry et de l'arôme de votre choix. On ajoute un filet d'huile. Et enfin, de l'ail. Puis, on mélange le tout. On dépose un filet d'huile dans notre plat à feu. On dépose les oignons coupés en rondelles. On ajoute nos pommes de terre. Et ensuite, on vient déposer notre poulet préalablement lavé sur nos pommes de terre. On met à l'intérieur quelques feuilles de laurier et de l'ail. On vient badigeonner tout notre poulet avec la marinade. Thank you.
On va faire quelques entailles sur le poulet. Cela permet à la marinade de bien pénétrer. Et ensuite, on ajoute du beurre qui va le permettre de bien dorer. Et on va brider notre poulet avec une ficelle de cuisine. Et on va cuire notre poulet au four pendant 45 voire 1 heure de temps à 200 degrés. La durée de la cuisson dépendra vraiment de la taille du poulet. Donc la cuisson est à surveiller. Nous allons arroser le poulet avec le jus de cuisson à chaque 15 minutes. Et on retourne le poulet à 30 minutes de cuisson. Notre poulet rôti est prêt. Il ne reste qu'à servir. C'est la fin de la vidéo. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à commenter, de liker, de partager. N'oubliez pas aussi de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle recette sur Cuisine Passion 12.